Salut les dartistes, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous verrons comment améliorer son jeu de fléchettes afin que celle-ci obtienne un meilleur angle une fois arrivée sur la cible. Cela te permettra de gagner en visibilité et en précision. Pour commencer, on va parler de l'angle d'entrée de la fléchette sur la cible, les angles possibles que ta fléchette peut avoir et leur influence sur ton jeu. Puis, dans un second temps, comment le modifier afin d'obtenir l'angle souhaité. Pour illustrer, je vais utiliser deux jeux de fléchettes, les Loxley Pulse en 21 g qui est mon jeu actuel, et les Performance Dart Elite en 23 g plus classique. Lorsque ta fléchette arrive sur la cible, celle-ci peut avoir trois angles différents. On parlera ici d'angle plat, d'angle supérieur et d'angle inférieur. Dans l'idéal, un angle plat ou inférieur à 10 degrés est considéré comme un angle parfait. Cependant, un angle compris entre 20 et 40 degrés reste assez commun et acceptable. Cela dépendra de ton lancer et de sa puissance. Une fléchette avec un angle d'entrée plat est considérée comme parfaite. L'avantage est qu'elle n'obstrue aucun autre segment et donne au joueur une vue dégagée sur la cible. Un autre avantage de cet angle est qu'il est très stable. Il est peu probable que les fléchettes qui entrent dans la cible avec un angle plat soient expulsées de la cible par d'autres fléchettes entrantes. Avec cet angle, les fléchettes peuvent être empilées les unes sur les autres ou les unes sous les autres. Une fléchette avec un angle d'entrée supérieur est assez courant. Certains joueurs considèrent qu'un léger angle vers le haut, compris entre 10 et 20 degrés, est l'angle d'entrée idéal, car les fléchettes sont généralement très stables dans cette position et sont peu susceptibles d'être projetées hors de la cible par d'autres fléchettes. Avec ce type d'angle, les fléchettes peuvent être facilement empilées les unes sous les autres et restent stables une fois plantées dans la cible. Les fléchettes qui entrent dans la cible avec un angle inférieur peuvent être instables et sont les plus susceptibles d'être expulsées de la cible par les autres fléchettes entrantes. De plus, un angle inférieur peut également obstruer d'autres segments de la cible. Cela peut être un problème, en particulier lorsque tu vises un triple et que ta première fléchette arrive au niveau de la partie supérieure du triple. Il sera plus difficile pour les autres fléchettes d'atterrir en dessous sans la faire sortir de la cible ou de bloquer la visibilité. Avec cet angle, les fléchettes peuvent être empilées les unes sur les autres, mais restent moins stables. Maintenant, nous allons voir comment ajuster l'angle d'entrée en prenant en compte différentes variables. L'angle d'entrée d'une fléchette est affecté par la position de tes doigts sur le fût, le style de lancer, la forme des ailettes, la longueur de la tige, le poids du fût et de sa répartition en fonction de sa forme. Pour faire en sorte que les fléchettes aient un angle d'entrée plus plat, cela repose sur un équilibre entre tous ces éléments. Il faut généralement plusieurs essais et erreurs pour modifier l'angle d'entrée jusqu'à obtenir l'angle souhaité. Si tu saisis la fléchette plus près de la tige, l'angle d'entrée sera plus grand et le vol s'inclinera davantage vers le haut, contrairement à une prise plus proche de la pointe, ce qui entraînera un angle d'entrée plus plat. Ajuster l'endroit où tu tiens ta fléchette est le moyen le plus simple et le moins cher d'ajuster l'angle d'entrée, et dans certains cas, cela peut être la seule chose que tu auras à changer. La raison pour laquelle tu ne devrais pas ajuster la position de ta prise en main est si tu as trop de mal à l'ajuster. Cela peut prendre du temps pour s'habituer à une prise en main différente, mais à la fin de la période de transition, ton jeu peut s'être grandement amélioré grâce à cet ajustement. Cependant, pour certains joueurs, cela ne vaut pas la peine de changer, car cela peut représenter un changement trop important et affecter négativement le lancer et ou la précision. À tester, mais il faut que ça reste confortable et naturel pour toi. Si tu es satisfait de ta prise en main, regarde plutôt tes fléchettes pour ajuster l'angle d'entrée et s'intéresser plutôt ici aux ailettes et aux tiges. Il s'agit d'un changement beaucoup moins radical. Les ailettes.
c'est le composant le moins cher de la fléchette et ont un impact important sur l'angle d'entrée. Il est donc recommandé de l'essayer en premier lors de la modification de ton setup. Les ailettes plus grandes, comme les ailettes standard ou dimplex, ont plus de traînée, ce qui rend la trajectoire plus courbée. Cette courbe amène la fléchette à s'incliner vers le haut au moment où elle touche la cible. Cela permet aussi un vol plus stable et reste adapté si tu as un lancer moins puissant. Les ailettes plus petites, comme les slim, les kites et les poires, ont tendance à faire voler la fléchette avec une trajectoire plus plate, de sorte que l'angle d'entrée est généralement beaucoup plus plat. Mais on peut perdre en stabilité. En fonction de la forme et du poids de ta fléchette, cela devrait être parfois compensé avec un lancer plus puissant. Les tiges courtes ou légères font incliner la fléchette vers le haut lors du vol et créent un angle d'entrée plus grand par rapport aux tiges plus longues ou plus lourdes qui font que la fléchette sera plus plate. Cela est dû à la manière dont la longueur et le poids de la tige affectent le point d'équilibre de la fléchette. Les tiges plus longues ou plus lourdes déplacent le point d'équilibre davantage vers l'arrière de la fléchette, alors que les tiges plus courtes ou plus légères déplacent le point d'équilibre davantage vers l'avant de la fléchette. Le poids a un impact également sur l'angle d'entrée. Je l'ai mis en dernier car cela implique de choisir un nouveau jeu de fléchettes. Il est également important de considérer la manière dont le poids est réparti. La majeure partie du poids de la fléchette provient du fût. Il existe trois types de répartition du poids à prendre en compte. Les fléchettes lestées à l'avant entraîneront un angle d'entrée plus grand car le poids est plus concentré vers la pointe qui fait basculer la fléchette vers le haut lors de son vol. Les fléchettes lestées vers l'arrière se penchent davantage vers l'arrière. Elles auront donc un angle d'entrée plus plat sur la cible. Les fléchettes avec un poids central se situent bien sûr entre les deux. C'est une grande majorité des fléchettes. Elles sont bien équilibrées et demandent simplement d'ajuster les tiges et les ailettes en fonction de ton lancer. Il faut considérer ta fléchette dans son ensemble. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte lors du choix de tes fléchettes et la configuration idéale pour obtenir des fléchettes parfaitement plates ou un autre angle en fonction de ton style de lancer et comment celui-ci interagit avec les différents composants de la fléchette. L'angle d'entrée n'aura peu d'importance si tu obtiens déjà de bons scores, alors ne ressens pas le besoin de faire des ajustements si tu es satisfait de tes résultats et de ton lancer. Lorsque tu modifies ta fléchette, il faudra probablement un petit temps pour t'y habituer. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cela peut prendre quelques essais et erreurs jusqu'à ce que tu trouves la bonne combinaison adaptée à ton lancer. Mais cela fait partie du plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura été utile pour la suite de ta progression. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt.